un magicien se moque des soi-disant chrétiens qui dit que vous pensez célébrer votre Jésus sous forme de Père Noël ou Noël. Ça, c'est notre divinité. Vous avez suivi. Et il y a un détail qui a attiré mon attention quand il parle de traversée. J'espère que vous avez bien suivi quand il parle de traversée. En fait, la traversée du 31 décembre dans le satanisme, dans l'occultisme, dans la cabale juive, de maçonnerie, tinassie et autres, c'est quand la nature renaît. L'enfant soleil est l'image que tentèrent de déformer les chrétiens en attribuant à cette date la naissance de leur enfant Jésus. Le solstice d'hiver est ce moment magique quand toute la nature reprend son souffle. Le déclin solaire de l'automne tire à sa fin. C'est la période des jours les plus courts de l'année, l'instant béni des dieux à partir duquel les jours vont à nouveau croître. La lumière céleste revient et chassera petit à petit l'obscurité et les démons de l'hiver. Le solstice d'hiver annonce le retour des beaux jours et de l'abondance qui les accompagnera. Il ouvre la porte cyclique de la nouvelle année, celle qui promet le renouveau des forces vives. La lumière céleste revient et chassera petit à petit l'obscurité et les démons de l'hiver. Le solstice d'hiver annonce le retour des beaux jours et de l'abondance qui les accompagnera. Nous passons de l'hiver rude et après le 31, après janvier, nous allons petit à petit vers la renaissance de la nature. En fait, le Dieu de la nature, la divinité de la nature sont en train de renaître. C'est une nouvelle phase, une nouvelle période. On parle de traversée. Dans la compilation qui va suivre, on a fait un montage ici au studio de comment presque toutes les églises, je dirais plutôt les églisettes, je fais l'expression de Jésus-Christ, mais églisettes, pour faire la différence entre la merveilleuse église de Jésus-Christ et les épiceries évangéliques qu'on appelle l'église, mais qui ne sont que des églisettes. Et nous voyons comment presque tous ont un même langage, c'est comme si c'était les jumeaux, les quatuplets sortis d'un même ventre. Ils ont un même langage, chacun un langage. Chacun son langage, mais il y a des points où c'est la même chose. Et un des points, c'est la doctrine satanique de la traversée. On ne sait pas où ils traversent, avec quoi ils traversent. On ne sait pas si ce sont des pirogues, des pagaies, des bateaux. J'espère qu'ils ont des bois de sauvetage. Donc suivez-vous. Cette compilation je pense que c'est 5 minutes sur l'abominable doctrine des démons appelée la traversée du 31 décembre. Yérim. Douze soirées de gloire. Tabernacle de gloire a présenté 12 soirées de gloire. Entendez l'Éternel dit, qui est quelque maladie, qui est quelque maladie, qui te sourd, ou pas traverser, ou pas traverser. Ça, c'est un événement de pagar. Qui a commencé le 20 pour 31 décembre 2019.
créer le problème en cette année. Pour les familles, les parents, les enfants, les grands-parents, les frères, les sœurs, pour tes collègues, tes amis, vous avez la possibilité de venir à ce programme. Je viens pour t'inviter parce que l'exceptionnel, l'extraordinaire de Dieu est sur le point de tomber dans ta vie. L'église Montagne de l'Éternel organise la nuit de la traversée. Date 31 décembre, avec la participation du groupe d'adoration Montagne de l'Éternel et la chorale des femmes rayonnantes. Des femmes rayonnantes. Des femmes rayonnantes. Chers frères et sœurs de le Seigneur Shalom, c'est le prophète Joël Francis Tatou en direct de l'église Porte des Cieux. La première, c'est qu'à la Porte des Cieux est organisée la nuit de traversée, comme cela aura lieu dans beaucoup d'églises, mais elle sera différente. Nous l'appelons Méga Réveillon Prophétique 2020. Frères et sœurs, il est une chose d'assister à une veille de réveillon. Louange, adoration, prédication, déclaration. Nous serons avec le frère Paul Makinda, la sœur Trina, plusieurs autres gospel singers et ceux de la maison, David Isé, David Tabera. Aza présente la nuit de la traversée du 31 décembre 2018 au programme Sketch, comédie musicale, déclaration prophétique. Es-tu prêt pour 2019? Vous convie à sa grande nuit de la traversée avec comme invité spécial le couple prophétique, le prophète Blaise Manzambi. Puissance. Ainsi que la prophétesse Lise Manzambi. Prépare-toi à recevoir ton miracle. Présente son grand culte d'action de grâce annuel pour la traversée de 2018 à 2019. Je déclare aujourd'hui que la victoire sera ta portion. La grande traversée de 2018 à 2019. Église et... Au ciel est sur la terre, votre nom Jésus en soit béni. L'Église, le temple de la foi de Wafo Ministries, vous informe que sa grande traversée 18-19 aura lieu à la patinoire de l'hôtel Sofitel, ex-hôtel Ivoire. Il n'y aura pas ces moments glorieux et exceptionnels. Thème, la conquête du futur. Orateur principal, Raoul Wafo.
sous le thème « Tout le monde a besoin de la délivrance », ne manque pas la nuit de la grande traversée au Temple des Nations du ministère Bahira Contre International, situé à Yaoundé, quartier Van Tropicana, derrière l'office du baccalauréat du Cameroun, ce 31 décembre 2016, de 18h à l'aube, avec la présence effective du docteur Tchala Essoba, de retour de l'Europe et dépositaire d'une pension fraîche. Viens découvrir pourquoi jusqu'ici tu es resté la victime des sorciers et recevoir la clé d'une délivrance qui assurera une année 2017 pleine de grâce. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Shalom peuple de Dieu, shalom les amis. La montagne de la prière vous invite du 31 décembre 2019 au 1er janvier 2020 de 22h jusqu'à l'aube, notre grande veillée de traversée. Ne manquez pas, nous vous invitons. Shalom peuple de Dieu, wow, quel moment extraordinaire. 2019 tire sa révérence. Alors 2020, c'est l'année de vœux et des alliances. Vous l'avez tous longtemps attendu. Elle est enfin là. Elle, c'est la grande nuit de la traversée du 31 décembre 2016. Baptisée la nuit du miraculeux et du prophétique. Venez expérimenter le miracle de Dieu dans votre vie. Mes frères et sœurs, avez-vous remarqué? Le dénominateur commente tous ces dimovores, ces bandits évangéliques, ces sorciers vampires évangéliques, les doctrines des démons. Montrez-moi dans quelle Bible il y a eu la doctrine de la traversée. Jésus a passé plusieurs années avec ses disciples. Est-ce que vous avez vu des années où il dit « Allons sur le mont des Oliviers, traverser le 31 décembre. » Oh, Galate dépourvu de sens comme l'apôtre Paul dit au Galate. Vous observez les jours, les années, les temps, les saisons. Vous fêtez les anniversaires. Est-ce pour cela que Jésus-Christ est mort pour vous? Nous n'avons aucune traversée à faire. Toutes les années sont égales. Nous vivons dans l'année de grâce. Une seule année de grâce qui a commencé avec le jour de la Pentecôte. Quand Jésus, selon le Saint-Esprit qu'il a promis, est descendu sur terre, s'est répandu sur les premiers qui l'ont reçu le jour de la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, en passant, je répète, le livre de Actes fait depuis des semaines, l'objet d'une étude approfondie verset après verset. Plaise à Dieu, on continuera samedi prochain. Nous sommes, je crois, au chapitre 20 ou 21. Et regardez ce qui se passe, mes frères. La traverse. Ils traversent pour aller où? J'espère qu'ils ont des bouées de sauvetage pour ne pas s'engouffrer en enfer. Et la bouée de sauvetage qu'on leur tend derrière cette trompette, c'est le Christ, c'est Jésus-Christ. Qu'ils aient à Jésus-Christ qui se repente. Tout le temps, traverser. Chaque année, traverser. Depuis que vous traversez, quel problème avez-vous laissé derrière? Chaque année, à traverser. Chaque année, traverser. Oh, aveugle ensorcelé. Oh, chrétien envoûté. Qui vous a mangé? Qui a mangé votre cerveau? Dites-leur de vomir le cerveau qu'ils ont mangé. Traverser. Montrez-moi dans quelle Bible il y a la traversée. Qui a fait la traversée? Et sur leurs affiches, c'est quoi? La nouvelle année, 2020. L'année de bonheur, l'année de succès. Les sorciers ne pourront plus te manger ton travail. Te manger ton visa pour aller au Canada ou en France ou aux États-Unis. Te manger ta promotion à la fonction publique. De manger l'enfant que tu attends, le mari que tu attends ou la femme que tu attends. Les sorciers ne vont plus faire. Tu vas traverser tes problèmes. Traverser. Tout le temps traverser. Vous devenez de plus en plus pauvre toutes les années. Et ils s'engraissent de manière éphémère et passagère. En attendant l'enfer. Vous traversez pour aller où? Avec quoi traversez-vous? Des pagaies? Voilà. Comme Colombe qui dit sur YouTube. Vous traversez. Je me demande, ils traversent pour aller où? C'est vraiment pitoyable, comme dit quelqu'un dont le nom est écrit en arabe. Ce sont des entreprises de marketing. Effectivement, c'est le marketing. Chaque année, traverser, depuis qu'ils traversent, je pense qu'ils ont déjà, s'ils traversaient vraiment, ils seraient déjà arrivés à Mars ou à Jupiter, la planète Jupiter ou la planète Mars. Ils traversent, chaque année, traversent. Pour aller où? Où allez-vous?
Et quand ils traversent comme ça, ça fait vos portes, votre portefeuille. Dîme, il y a des dîmes spéciales. On vous dit, il y a la dîme spéciale du 31. Donc, si tu dîmes de manière spéciale au 31, tu auras les plus grandes bénédictions. Une marchande des bénédictions. Montre-moi un verset biblique où Jésus-Christ ou un disciple de Jésus-Christ a dit, pour recevoir quoi que ce soit de Dieu, il faut donner de l'argent. On a eu des émissions d'Action de grâce. Derrière Jésus-Christ TV, il y a des personnes qui m'ont demandé, qu'est-ce qu'Action de grâce? Est-ce que c'est apporter les enveloppes? Action de grâce signifie dire merci à Dieu pour ce qu'il fait pour toi. Si vous allez à Dieu avec votre argent, Dieu n'y est pas. Pouvez-vous acheter Dieu? Voilà, Christian Antonio qui dit, ils disent traverser de vœux et alliance avec qui? Menteur. Dieu vous voit effectivement, Dieu les voit. Nous continuons à tambouriner. Vous qui êtes en Afrique, surtout en Afrique, et vous qui êtes en France, à Paris, la région Saint-Denis où il y a toutes sortes d'églisettes, un même bâtiment est loué par 10 églises. Quelqu'un, la première église vient à 7h du matin avec son décor, ils ont 2h. Une autre église, le même bâtiment qui est loué à 10 églises. Églisettes entre guillemets dans la journée. Et dans toutes les affiches que vous avez vues, on a fait une compilation et c'est un traversé qui remonte à 2 ans, 3 ans. Depuis qu'il traverse, les mêmes démons qui les possèdent, les mêmes problèmes, depuis qu'il traverse. Ne voyez-vous pas qu'on vous escroque? En début d'émission, pour ceux qui sont fidèles sur Jésus-Christ TV, j'ai monté quelques extraits qu'on a publiés sur une émission d'il y a 6 ans. 6 ans plus tard, nous parlons des mêmes choses. Pourquoi devons-nous parler des mêmes choses? Pourquoi? Après 6 ans, parlons-nous des mêmes choses? Parce que ça ne fait que s'empirer, ça ne fait que s'empirer. Plus on parle, plus ça devient pire. Devenir pasteur est le meilleur moyen de fuir le chômage. De fuir le chômage. Tout à l'heure, je vous ferai passer une vidéo d'un frère. Je ne le connais pas. Il se nomme un certain David dans cette vidéo. Lui, moi, on n'a jamais parlé. Je ne connais ni Adam et Ève, comme on dit, quelqu'un me disait le monde, et je disais que. Et il y avait la vérité parce qu'il disait qu'on n'a jamais connu Adam, qu'on n'a jamais connu Ève. Donc, quand la personne disait que je ne connais ni Adam et Ève, une personne dit que je ne l'ai jamais rencontré autant que je n'ai jamais rencontré Adam et Ève. Donc, je ne l'ai jamais rencontré. Lui, moi, on n'a jamais parlé. Mais j'ai dit, c'est la vérité. Et j'ai été content de savoir qu'il y a certains montages de Jésus-Christ TV qu'il a fait dans cette vidéo. Et nous sommes ouvriers. Et j'ouvre une parenthèse, il y a des gens qui me disent, Georges, est-ce que je peux, tu donnes la permission d'utiliser, qu'on utilise tes vidéos. C'est gratuit. On ne les vend pas. Il n'y a pas de droit d'auteur. Donc, ne me demandez pas, est-ce que je peux utiliser la vidéo? Utilisez. Moi-même, j'utilise ça de manière la permission. Donc, utilisez, mes frères et sœurs. Si ça vient de Dieu, l'apôtre Paul disait, qu'as-tu que tu l'as reçu? Alors, si tu as reçu, pourquoi te vantes-tu? Si tu as reçu, pourquoi demandes aux gens, demandes-tu aux gens de mettre de ne pas utiliser. Comme ces gens qui écrivent des livres, soi-disant le livre a été inspiré de Dieu, mais il met droit d'auteur. Toute reproduction partielle ou totale de ce livre est interdite sous peine de poursuite judiciaire. Et ils disent qu'ils ont reçu de Dieu. Menteur va. Tu as reçu quoi de Dieu? Tu n'as pas reçu de Dieu. Quand tu reçois de Dieu, c'est gratuit. Les gens utilisent comme ils veulent. Même s'ils veulent déchiqueter, aller tordre ce que j'en sais, ce n'est pas mon problème. Tu les utilises. C'est gratuit, on n'achète pas. L'évangile n'est pas à vente. Les œuvres de Jésus-Christ ne sont pas à vente. Matthieu, chapitre 10, verset 8 dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et Proverbe, chapitre 23, verset 23 dit, achète la vérité. Non, mais acquiert la vérité et ne la vend pas. Acquiert la vérité et ne la vend pas. Alors, revenons sur ce problème de traverser. Une vidéo de ce frère, et c'est un malheur. Si un pasteur suit ce message que vous êtes sur le point de suivre et continue à faire les nuits de traversée, les Mazolots Chilassi, les Kassanous savent que c'est un parcours initiatique kabbalistique qu'ils doivent faire chaque année et vous les accompagnez avec vos portefeuilles. Pour eux, c'est la traversée. Ils adorent leur Dieu, le Dieu de ce monde, Satan, la nature, le Dieu de cette terre. Les Kassanous, Chilassi, Karambiri, le PD Raoul Wafo, le PD Tatou et autres, ils savent ce qu'il faut avec la traversée. Liz Mandabi, qui a une promotion, elle a commencé étant présentatrice, elle a une promotion, elle est devenue évangéliste, elle a une nouvelle promotion prophétesse. Bientôt, sera révérente.
Après, je ne sais pas si ce sera Dieu mère. La prochaine promotion. Qu'est-ce que ces gens cherchent? Nous sommes en guerre, mes frères et sœurs. Je ne suis pas ici pour m'amuser. C'est pour cela que j'appelle le peuple de Dieu à la repentance. À la repentance, comme Afis Agné dit. Que Dieu, oh Dieu, ouvre les yeux. Et vraiment que nos familles sortent de cet endroit, de ce mouroir évangélique, de ce morgue évangélique qui mène à l'enfer. Sortez, 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 peuple de Dieu, repentez-vous. Mettez les jambes à votre pied, détalez comme on disait au Cameroun à l'époque. Détalez, courez, 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 courez. Sortez, sortez, sortez de ce mouroir. La traversée, traversée. Et depuis que vous avez suivi, et sur toutes les autres affiches qui pullulent sur YouTube, sur Facebook, il n'y a pas de traversée de la masturbation pour la laisser en arrière. Il n'y a pas de traversée du mensonge, du lesbianisme, de l'avortement, d'une homosexualité pour la laisser en arrière. Il ne vous avait pas traversé vos péchés. La croix de Jésus-Christ, c'est là où on va pour traverser le fossé qui sépare notre vie passée de péché et notre vie à venir en Christ. La seule traversée que vous et moi nous attendons, c'est la traversée du ciel. Le Seigneur Jésus, par sa grâce, viendra prendre ceux des élus, ceux parmi nous qui auront persévéré jusqu'à la fin. Et nous allons traverser le ciel comme il a traversé le ciel, comme nous révèle la Bible. Et nous serons éternellement avec lui. Donc, quelle traversée? Je m'appuie sur cette doctrine. Je m'arrête. Vous allez vous poser, mais Georges, évoluons. Non, n'évoluons pas. Oh, c'est grave. La doctrine a traversé. Et beaucoup sont noyés en traversant. Beaucoup sont morts. Plus de problèmes. C'est eux qui s'engraissent, C'est eux qui sont bien portants. Les enfants sont dans les bonnes universités. Ils n'ont pas les loyers à payer parce qu'ils ont déjà les maisons construites. Ils ont les belles voitures, ils ont tout. Mais vous passez toutes les années. Même chose, vous coupez ça dans la misère. Comme il y a une vidéo, une image qui m'a choqué, quelqu'un m'a envoyé. Il dit que regardez. Ce n'est même pas moi qui faisais le commentaire. Quelqu'un qui est chômeur, qui ne travaille pas, ni lui, ni sa femme ne travaille pas. Mais il a une table garnie, il est comme un roi. Mangeant le dîme des pauvres fidèles. Il est en France, Charles Soba. La vie à l'Europe est difficile. Nous qui sommes en Occident, parce qu'il y a des gens qui pensent que quand vous, les gens qui sont en Afrique, qui pensent qu'ils sont en Afrique, qui pensent qu'aux États-Unis, il y a les billets de banque qui poussent dans les arbres, ou bien vous allez vous balayer, vous allez avec un balai au trottoir, vous balayez seulement, vous rapissez les poches. Non! La vie est difficile. Vous devez payer vos factures, les factures viennent tous les jours. C'est dur, tu n'as pas un boulot. Ces gens n'ont pas de boulot. Ce sont des chômeurs de luxe, des parasites de luxe, vivent comme des rois télé. Ça, c'est l'année, le moment de l'année où ils font des grandes collectes, où ils mettent le grand paquet. Vous pensez qu'ils vous aiment? Et vous allez m'insulter. C'est pas grave. Dès demain, ces vidéos seront sur Facebook encore. On va les découper, on va les mettre sur Facebook. Insulter, il n'y a pas de problème. S'il y a une ou deux personnes qui se repentent, qui sortent de ce mouroir évangélique, nous avons gagné. Pourquoi? Parce que la Bible dit « Large est le chemin qui mène à la perdition. » Beaucoup sont ceux qui passent par là, c'est normal. Mais resserré, étroit est le chemin qui mène à la vie éternelle. Peu sont ceux qui les trouvent. Il n'a même pas dit peu sont ceux qui passent par là. Parce que pour le chemin qui mène à la vie, c'est difficile même de trouver. Et même quand tu as trouvé, c'est difficile d'y passer. Alors que le chemin large, même un aveugle y passe. Est-ce que vous comprenez cette parole de Jésus-Christ? Elle est puissante, cette parole. Large est le chemin qui mène à la perdition. Beaucoup sont ceux qui passent par là. Aveugle, borgne, malvoyant, ceux qui voient, ceux qui ne voient pas, c'est pas grave. Mais le chemin qui mène à Dieu, il est tellement étroit, invisible, que ce n'est que par la grâce de Dieu que vous pouvez voir ce chemin. Et même quand vous l'avez vu, il faut encore une autre grâce encore pour pouvoir y passer. La traverser. Traverser avec vos portefeuilles. Voilà avec quoi ils traversent. Vos portefeuilles sont leurs pirogues pour traverser dans la nouvelle année, alors que vous vous engouffrez dans le péché. Tous ces victoires sur les sorciers, tous ces percées financières, la femme de ta vie, le mari de ta vie, fini la stérilité, les choses de la chair. Organiser des nuits de traversée du péché. Traverser du péché, traverser du mensonge, traverser la masturbation, traverser du vol, traverser l'adultère,
traverser la pornographie, traverser la gloutonnerie ou l'ivrognerie, voir les véritables traversées. Il y a tout quand nous n'avons pas besoin de traverser. Nous attendons notre traversée. Le retour du Seigneur Jésus-Christ. Sœur Audrey, balance-nous cette vidéo de notre frère qui nous montre comment ces pasteurs vous entraînent en enfer. Et ce n'est pas Georges qui parle, c'est quelqu'un d'autre qui parle. Parce qu'avec moi, on va dire non, toi tu es trop, tu es jaloux. Jaloux de quoi? Jaloux de la boue? Jaloux de quoi? Les gens disent, tu es jaloux, quoi pour toi? Je suis jaloux d'une seule chose, jaloux de votre âme que le diable est en enfer. Jaloux de quoi? De la boue? Quelqu'un va à un bon restaurant. Il se tape un bon repas dans un restaurant, dans le plus grand restaurant de Houston. Vous voulez voir à quoi ressemble ce restaurant deux heures de temps après? Ce plat qu'il a mangé deux heures de temps après? Vous voulez savoir? Vous pouvez passer à côté de ce plat qu'il a mangé deux heures de temps après? Et vous êtes vous dites que c'est jaloux de cela? C'est pas une maison. C'est quoi? C'est de la poussière. Une voiture d'électrique, c'est quoi? C'est un tas de ferraille. Mettez la voiture au soleil. N'alcoolisez pas. Mettez-la au soleil pendant des mois, des années. Vous n'alcoolisez pas. Vous reverrez cette voiture qui était rutilante. Vous voyez la rue commence à, elle commence à ternir. Comment pouvez-vous être aveuglé par ce qui est passager? Voilà comment ils vous appâtent les biens de ce monde, la richesse. Balançons cette vidéo. Jésus-Christ TV. Vous connaîtrez la vérité et la vérité. Ça franchira.